Vous savez pourquoi il pleure le bébé? Il pleure parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait faire une cool planche. J'ai pas beaucoup dormi. Bah, on était en train de parler du fait que là on allait lancer une impro, tu vois, McCafé, on se dit tiens on va filmer quelque chose et on sait pas quoi dire. On sait pas quoi dire parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un script. Et pourquoi est-ce qu'on a des scripts? Parce qu'on n'a pas plus de talent que ce soit d'autre. Si on fait des vidéos qui vous plaisent, c'est simplement parce qu'on y travaille, tu vois. On les sort pas de notre cul. Tu les sors pas de ton cul, toi? Non, je te jure, j'ai essayé. Du coup, là, tu vas voir cette vidéo, on sera plus du tout à Vienne. Ouais. Mais si t'as des trucs bien pour la prochaine fois qu'on vient pas, mets-les dans les commentaires. Comme ça, on saura où on ira dans une autre vie. Take flag, Chewbatta. On est à Vienne, mon pote. Regarde ça, mec, check ça. Là, je suis pas plongé. On est à Vienne toujours, on part ce soir à Budapest. Là, on va au parc de street. Il y a un parc de street juste derrière, on y va. On a vu ces bars et ce pont avant, donc. Maël, il va nous faire un handstand fantastique. Handstand, allez, c'est parti. Tiens-le. Encore une fois. On va aller faire d'abord un premier spot, l'obélisque, c'est un truc, enfin nous on appelle ça comme ça. Un truc au nord, avec des jolies photos, des jolies images à prendre. Premier spot de la journée à photo, la place aux Octères et Lyon. On n'en sait rien du tout. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est joli. Après, c'est ce qui compte au final. On va s'amuser un petit peu par ici. Allez, il paraît que c'est la place de street workout de la ville. T'es chaud, t'iras plus face et y'en a un qui changera sur le côté. Non, je pas mes cheveux. Là, c'est toujours main gauche, de gauche à droite. Le mieux, c'est qu'on rigole à des vraies blagues. Ouais, prends tes rêves. C'est bien ça, à part ça. J'adore la matière. Ils ont fait du Bangladesh, ça. Putain, mais c'est plus exactement la marque, mais c'est hyper genre. Franchement, j'aime bien le travail des Chinois, mais au Bangladesh, ils font pas de la merde. Mais c'est parce qu'ils commencent tellement jeunes, ils vont venir très fort. Bon, du coup. Moi, je peux pas manger ça, mais je veux devenir comme Eric après. Eh, t'as pas envie d'être comme moi? Ça filme là aussi, jamais. Bah, du coup, on a fini le premier spot de la journée. Là, on refuel un tout petit peu parce que c'est quand même fatigant de filmer sous le soleil pendant 3 heures. On va aller en fait dans la citadelle. C'est un spot genre au-dessus de la ville. Il y a le soleil qui va se coucher. Et on va faire des jolies figures là-dessus, mais on reprend un peu de batterie. Voilà. Skyline.
Ouais, je filme là. Ouais, je filme. Les gars, double front, vous arrivez là? Bon alors fin de première grosse journée de tournage, on est hyper content d'avoir fourni tout le boulot qu'il fallait. Fier de nous, fier de toi Maël. Ouais vraiment, ouais. Vraiment. Fier de nous, on est très fatigué mais je pense qu'on a fait des belles images, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, prêt à renvoyer demain et ce soir tout à l'heure. Hein ouais. Allez, t'es chaud? Allez. Ouais, je suis chaud mec. Ok, donc c'est les derniers instants à Budapest. Pendant cette semaine, on a discuté avec nos voisins et on a eu un très cher voisin, artiste, qui fait beaucoup de dessins. Il veut s'essayer au tatouage et puis on a parlé, on s'est bien entendu. Il m'a fait un petit dessin et puis on va se marrer là-dessus. Il est posé juste là sur la table.